Rendez-vous le week-end prochain au Grand Dôme de Villebon pour les championnats de France minimes de judo, mais aussi les championnats de France première division par équipe. Parmi les formations candidates au podium, trois clubs zessoniens, Sainte-Geneviève-des-Bois, Chimazarin-Morangis et Flamme 91 chez les garçons et les Genovais FN chez les filles. Un gage de qualité du judo essonien. I wanna rock, I wanna rock your body. I wanna go, I wanna go for a ride. Hop in the music and rock your body. Jason, donc je suis assez bien placé pour le savoir, donc et a toujours été donc un département très très en avance dans le domaine du judo. Il y a des équipes fortes depuis très longtemps. Là, on n'en a jamais eu autant puisqu'il y en a trois qui sont de niveau national. Il y en a trois qui peuvent gagner. Donc moi, je ne peux que leur souhaiter bonne chance et je ne ferai pas de pronostic. Je suis bien que je sois essonien. Je suis président de la Fédération française de judo, mais c'est tout à fait possible effectivement. Avec des internationaux dans chaque ligne, Sainte-Geneviève Sport sera l'un des favoris pour faire chuter le club de Levallois de Teddy Riner, une équipe prête pour vivre un grand moment collectif. Let me see your body rock, shaking it from the bottom to top. Freak to what the DJ drop, we be the ones to make it hot. To make it hot. Electric shock, energy like a billion watts. Space be booming, the speakers pop. Galactic, call me Mr. Spot, we bumping in your parking lot. When you coming up in the spot, don't bring nothing, we call pink dot. Cause we burning around the clock. Ça fait deux fois de suite qu'on finit derrière le Valois, donc voilà, la maison à Villebon, j'espère que... qu'on va réussir enfin à leur passer devant et à être sur la plus haute marche du podium. Nous, notre objectif, c'est d'avoir le titre de champion de France par équipe première div. Donc on va tout faire pour pouvoir y arriver. Et même s'il y a le Valois sur la route, on va faire en sorte de les taper, justement. Et puis voilà. On ne peut pas dire les choses en avance, mais on peut vous assurer que dans les starting blocks, on la veut, cette médaille d'or. Et on y pense pas, peut-être presque pas chaque jour, mais on y pense beaucoup, beaucoup. C'est sûr qu'avec le club, on a à cœur de gagner ce championnat de France parce qu'on a déjà fait deuxième, on a déjà fait troisième. Je crois qu'on a déjà fait premier tour aussi, mais on n'a pas réussi encore à gagner. Donc on va vraiment dans cette optique-là de gagner ce championnat. On a l'équipe pour gagner. On sait encore qu'on a toutes les chances de rencontrer le Valois en finale. Et on va tout faire vraiment pour que cette année, le titre ne nous échappe pas et qu'on aille jusqu'au bout. Du côté des seniors, le club numéro un, je pense que c'est le Valois. Champion d'Europe, champion de France à maintes et maintes reprises, filles et garçons. Donc voilà, nous sur le papier c'est déjà écrit, mais après chaque année c'est jamais les mêmes. Donc il faut à chaque fois se battre pour s'imposer. Aux côtés du club de Chimazarin-Morangis, la formation de Flamme 91 pourrait créer la surprise. Emmenée par les champions de France Ryu et Le Blouch, le club essonien espère jouer les Trublions. I wanna dance, I wanna dance in the lights. I wanna rock your body. C'est plaisant de les faire avec les amis avec lesquels on s'entraîne tous les jours. Donc on va essayer d'aller chercher le titre, hein. On a une très bonne équipe et il y a l'ambiance qui joue beaucoup. C'est des partenaires d'entraînement, donc ouais, on va essayer d'aller chercher le titre. Ouais. On est une vraie équipe de potes. On s'est construit un peu au fur et à mesure, même si. Stéphane Nomi s'est arrivé là sur le tard, l'équipe elle était déjà bien en place et on avait déjà tous ces mecs là dans l'équipe, donc on a fait 5 au championnat de France l'an passé, on espère cette année aller chercher une médaille, voire peut-être plus, on ne sait pas, hein. Sur un malentendu, un Teddy Riner qui glisse, peut-être que ça peut passer, on ne sait jamais. Ce sera à Villebon en plus. Ça sera ici, donc plein d'ambiance et puis on a un bon public au club, donc ça risque d'être vraiment sympa. Ouais. Villebon, donc avec une belle équipe filles et surtout garçons, parce que effectivement on a une équipe qui est complète et avec un certain nombre de médaillés dans l'équipe, donc on y va, on est chez nous, hein. C'est sur notre agglomération en plus, donc on y va effectivement pour faire une médaille. L'an dernier on fait 5, on espère cette année être sur le podium. Je pense que ça serait pas non plus ni un déclic ni une surprise, ça serait une évolution normale. Pendant 2 jours, le meilleur du judo français chez les garçons comme chez les filles sera au rendez-vous du Grand Dôme de Villebon. Ne manquez pas cet événement.
venez nous rejoindre parce qu'il y aura une compétition magnifique. Bon, les compétitions par équipe sont toujours excellentes. Et puis la veille, il y aura une compétition minime extraordinaire où tous les départements de France seront là et tous les minimes organisent. C'est vraiment une grande fête de la jeunesse. Et là aussi, venez nous soutenir. Je vais dire à tous les passionnés de judo, bah, venez au championnat de France. Et puis j'espère qu'il y aura des beaux matchs, mais ce n'est pas pour venir voir, mais pour voir un championnat de France par équipe.